Hello, c'est Nemeria Alpha. Alors, je continue le gameplay de jeu Far Cry 4. Et puis, cette fois-ci, on va y aller faire des quêtes pour Monsieur Fufu. Mumu. Mumu. Mumu Chiffon, voilà. Et on va voir. Monsieur Fufu, hein, c'est. On va voir ce qu'il a à nous proposer. Diable fou. Monsieur Chiffon, j'ai trouvé votre modèle. Comment voulez-vous que je sache quel loup est le chef de meute? J'aimerais être là quand le mâle alpha tuera le loup alpha. Tous les rapports que j'ai lus sur les attaques récentes disent que le chef est reconnaissable du reste de la meute par son poil noir et luisant. Je l'imagine déjà sur vous. Oh, ce sera magnifique. Soyez féroce, EJ. Vous dites ça tout le temps, soyez féroce. Ça veut dire quoi exactement? Pour moi, être féroce, c'est vivre intensément et sans avoir peur. D'être fier et de chercher la perfection dans tout ce qu'on fait. Mais surtout, d'être libre de s'exprimer au gré de sa fantaisie en se torchant absolument avec ce que pensent les autres. Ça, c'est féroce. D'accord. L'arc, pas de problème. Attends, j'ai vu un autre truc. J'ai acheté une arme. Moi, je l'ai pas sur moi, mais elle est diabolique, vraiment diabolique. Bon, si tu veux, tu montes, tu descends et tu prends le truc. Merci. Conservatif, ça valait pas la peine. Allez, le loup, luisant. Voilà, amenez-moi le pauvre. J'ai pas déjà tué un loup comme ça, de ce genre-là. Voilà, déjà deux. Wow! T'as une jolie gueule, hein! Ok, bah c'était facile. Et on va directement le mettre dans la confection pour le portefeuille. Bah voilà, plus que deux. Plus que deux cartes, merci bien. Voilà. Là on va choper de nouveau une quête pour monsieur Fufu, Mumu. Bref, machin là. Et puis... Ouais, j'ai plein de sous, c'est génial. Où est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est bon. Ah, léopard des ombres, le léopard rare nous sert à la confection des vêtements de Monsieur Chiffon. Monsieur Chiffon, j'ai votre dernier modèle. Mais... motif léopard? Ne soyez pas vulgaire. Nous ne sommes pas dans les vrais housewives de Danny Desch. Je suis un artiste. Qui a créé le look de l'armée royale, d'après vous? Vous croyez que les superbes costumes de Pagan lui tombent du ciel? Il doit son image à mon talent pour équilibrer la silhouette avec une tenue bien ajustée. Et mon seul remerciement? Un arrêt de mort. Parce qu'il ne supportait pas l'idée que ses vêtements ne soient pas uniques. Alors vous pouvez me croire quand je vous dis que la mode ne se fait pas toute seule et que la peau de léopard est parfaite pour ce vêtement. Surtout s'il est cousu à la main. Ok, ok. Désolé. Je vous fais confiance. Merci, EJ. Vous savez, mine m'a libéré en un sens. Tailleur royal. Que pourrait-on rêver de mieux? Mais j'étais enchaîné. Aujourd'hui, je peux créer ce que je veux, pour qui je veux. Et je suis ravi que ce soit vous. Allez, partez en chasse. Et soyez féroce. Féroce, ouais.
Tu vis avec ça. Bon ben, allons-y, hein, écoute. On va être féroce. Oula, il y a déjà des trains de descente, super. Ouais, mais j'ai pas le... Ouais, ben je sais bien, mais... Allez. Coucou, Minon, Minon, Minon. Nom de Dieu. Il est très bon, n'empêche, hein. Vraiment très beau. Voilà. Et on va y aller. La confection. Sert de munitions. Oh oui. C'est cool, ça. Et du coup, le dernier... Peau de peau épaisse. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Peau de peau épaisse. J'ai pas compris. Appel d'urgence. L'armée royale est en train d'envahir notre avant-poste. Situation critique. Répondez. Répondez vite. J'arrive, j'arrive. Lourd pas mon chaud. Mais de quoi, hein. J'ai tué plus d'hommes que tu pourrais. Je vais t'éventrer de la coupe. On va sortir les têtes. Oh merde. J'arrive, j'arrive, j'ai pas tiré peu de munitions, c'est génial. C'était juste. Merci de nous avoir aidé à défendre. Où je t'en prie.
Bah, c'est vous entretuez entre vous, hein. C'est quoi ce bordel? Je pourrais te parler une minute. Je pensais pas qu'on s'en sortirait. Prends ça, tu l'as bien mérité. Merci bien, maintenant je vais aller un peu prendre des... Bon, je peux toujours les fouiller. Des sous. Bon, moi ce que je vais faire, je vais prendre le machin. C'est un coin de mission, j'avais encore ici quelque part. Ici. Voilà, bon, je dois tuer plus que ça, mais... Wow! Comme je l'ai échappé belle, hein. Voilà. Je vais bien. Non, j'ai rien. Je retiens pas de tirer dessus. Tac. Tac, tac, tac. Ouais. Des munitions, d'huile aussi, parce que... Hein. J'ai fait gaffe. Alors... Voilà. J'ai 30 points de compétence, mais franchement... Donc j'ai pas fait l'arène... Ça sert à rien. Ah, je sais où je peux trouver une dernière. Je pense que c'est ici, en fait. Je pense que c'est ici. Parce que j'ai pas encore débloqué le truc. Bon, je vais prendre... Je vais attaquer la forteresse de Yuma. Ça, je fais en même temps. J'ai toutes les munitions, je prends un véhicule, j'espère qu'il y en a un dans les parages. Bah non, je peux rêver, c'est pas là que j'ai un véhicule. Ah, ah, ah. C'est con. Ah bah tiens, un véhicule. Bon sang, mais c'est pas vrai. C'est la troisième fois cette semaine. Allez-y. Ma voiture. Vraiment faire confiance à personne dans ce monde. Désolé. C'est une mission prioritaire. Faut que je passe. Allez, est-ce qu'il y a la radio, la bonne radio, peu de propagande de Pagamin. Et on y va. Let's go, baby. Ça va, elle a gagné le concours de popularité du Sentinel. Et je vais pas vous mentir, c'est quand même une sacrée surprise. Moi qui croyais qu'Anita était bien placée avec son idée d'avoir une économie basée sur la drogue. Ça va, d'un autre côté, il défend nos valeurs traditionnelles. Wow. Mais elle a fait quoi pour notre pays, la religion? On connaît la réponse, pas vrai? La religion, ça construit pas de route, mon coco. Enfin, si, mais... avec des esclaves. Oh putain, on devrait construire une pyramide, tiens. C'est ça. On gagne la guerre, Sabal devient pharaon, et on met au fer tous ceux qui soutenaient Pagamin. Paf! On devient la huitième merveille du monde! Je vous dis pas le nombre de touristes qui viendraient la voir à notre pyramide. Bon, on se torcherait peut-être un peu le cul avec les droits de l'homme, mais c'est pas grave. Moi, perso, j'adore me torcher. Tu tiens comme ça pour gagner ma vie! Écoutez le véhicule! Mais pousse-toi de chien! Et toi, casse-toi! J'en ai marre! C'est à foutre!
Ici Rabirai Rana, et c'est à toi que je parle, Paganin. C'est bon, connard? Tu m'écoutes? Hein? Espèce de putain d'enfoiré. Bon, est-ce qu'il y a un éléphant? Bah non, apparemment pas. Yuma, bon bah allons-y. Combien il y a de... J'ai pas l'arme qu'il faut. Vous aimez. Merde. Bon, attrapez. Foiré. Putain de merde. Ouch. Mais what? Wow. Mais t'es coco, t'es puissant, mais vas-y mec, arrête de recharger chaque fois. C'est pas vrai. C'est pas bon là. Ouh la vache, c'est pas bon du tout ça. Le gros. Encore? Putain, vous êtes tombé un machin. Ouh la vache. Wouh! Putain! Je vais l'ouvrir.
Tu vois, j'imagine même pas la forteresse de Pergamine, ça va être quoi? Tranquille les coups autour. Oh my god. Bon, ça va. Et voilà. Est-ce que j'ai une quête? Est-ce que j'ai une quête? Comme si je suis fond. Bah non. Bah non, je peux même bosser. Bah non, c'est pas là. Tant pis. Clac. Voilà, bon, bah, on a déjà fait plein de trucs intéressants là. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire encore 3 missions de Shangri-La. À libération de démons, etc. Et puis, je dois faire encore ça. Fond de propagande. Bon, je vais faire ça pour la prochaine fois. Et les Shangri-La, donc il y en a une ici. Une là. Par là, quelque part. Là, je vous ai montré avant, ici. Et puis, il y en a une autre. Ici. Parfait. Je vais encore faire cette quête avec Yogi et Régis. Et enfin, tuer Pergamine. Eh oui. À la prochaine fois, soit je vais faire la quête principale et puis je vais directement attaquer à Pergamine, soit je fais directement les 3 quêtes de Shangri-La et puis à la propagande. C'est plus compliqué ça à faire. La dernière fois, je me suis fait tuer 3 fois. Je l'avais fait chier. Enfin bref, je vous dis... Attends, 2 secondes. Ouais, je vous dis à la prochaine. Passez une très bonne soirée et qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un bâtiment là, j'ai pas... Bon d'accord. Et puis prenez soin de vous tout simplement, ben... À bientôt. Ciao.